même vitesse. Juste ici, ouais. Et si on en met un pour sa droite et un pour sa gauche? Ici, où est-ce que je suis derrière? Ouais, oh. Tu le sens? Ouais. Non. Vous pouvez vous mettre ici entre nous deux? Juste pour faire une photo. Oh, juste derrière moi. Juste derrière moi, oui. Cette boîte-ci, essayez de me la prendre, s'il vous plaît. Celui tout droit qui a démarré d'abord avec Milwood. Si on fait le test de une fois pour oui, une fois pour moi. Enfin, deux. Par rapport aux deux. Ouais. Ouais. Attends, sors un coup ton dictaphone pour voir si c'est pas ça qui détecte. Tu te rappelles la dernière fois? Oui, non. Peut-être. On a eu plein de tout. Ah, parce que là, c'est trop horrible. Je vais faire quoi? Mets-le devant. Non. Non. Il est même pas allumé. C'est bizarre quand même. Oui, c'est lui avant de toute façon. Non, pas ça. Tu vois? Non. Et là, il y en a 15. Ouais. Donc, c'est pas le cas. Non, mais il me faut nulle part. Si vous êtes un homme, pouvez-vous interagir avec soit la boîte grise ou la boîte noire? Pour un oui. Pour un oui, la boîte noire. Dites oui. Que avec la boîte noire. Est-ce que vous êtes une femme avec la boîte noire? On s'est pas présenté. Non. Est-ce que vous êtes un enfant? On se présente ou bien? Bonjour à tous, donc voilà, je m'appelle Alex Nicodème, je me lance dans le paranormal et je suis ici dans une ferme abandonnée. Donc, je suis accompagné de ma mère. Bonsoir. De l'enquêteur Thibault. Salut. Et de l'enquêteur Jérémy. Bonsoir. Alors, je ne me souviens plus comment tu t'appelles. Philippe. Et de l'enquêteur Philippe. On va passer un petit peu aux choses sérieuses pour essayer de communiquer avec vous. Essayer de vous filmer. Ce qu'on a déposé par terre, en fait, c'est un petit camion. Vous le touchez, et en fait, il va faire de la musique, en fait.
Et c'est pour détecter votre présence. Et juste à côté, il y a le boîtier noir que vous connaissez. Que vous avez, voilà. Merci. Qui s'allume. Qui s'est allumé, voilà. Que vous connaissez très bien. Merci. Pouvez-vous essayer de toucher le camion de police, l'antenne? Regardez, vous n'avez qu'à le toucher. L'antenne. Ça fera du bruit. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Des pétards, je pense. Vous seriez capable? Touchez le camion de police, s'il vous plaît. Si vous êtes capable de faire activer le K2, faites activer le camion s'il vous plaît. C'est comme le nounours, comme la dernière fois. C'est comme la petite boîte noire. Il suffit juste de faire la même chose que vous faites avec... Allez avec le cadre, avec la petite boîte noire jusque dans le rouge alors. Mettez une petite lumière jusque dans le rouge. Allez, j'ai compté jusque 3. À 3, vous me désanimez. 1, 2, 3. Merci. 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 Et la petite lumière rouge, vous savez l'allumer? Jusqu'en haut, en fait. Approchez-vous de moi. Touchez la petite boîte bleue. Il n'y a pas d'interférence entre les deux. Le cadre qui interagit. Non. Non. Alors n'hésitez pas à toucher l'antenne du camion de police. Pas le cadre. Je ne sais pas le.
Si c'est vous, arrêtez. Arrêtez maintenant. Moi j'ai un doute, hein, je sais pas. Ouais. Franchement, sur le cadeau, j'ai un gros doute. Mmh, moi aussi. On est bien sûr tous les GSM sont éteints. Mon GSM est éteint. Moi aussi. Il est éteint tout de suite. Ah, moi, il y a un mode avion. Non, mais ça sert à rien. Est-ce que c'est vous qui faites marcher le K2? Si oui, faites clignoter une fois et vous arrêtez. Si c'est vraiment vous, faites un bruit dans la maison. Il y a une deuxième K2. Hein? On fait un million. Attends, parce que je demande de faire un bruit. C'est vous, faites allumer le gris, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un, faites allumer le 4 degrés, s'il vous plaît. On ne veut vous pas de mal. Je bégaye. On ne veut vous pas de mal. Comment on dit ça? Ça va, on prend des coupures. On ne vous veut pas de mal. On ne veut vous pas de mal. Ça va aller. Ça va aller. Il n'y a pas de problème. Désolé si on rigole, c'est parce que bon. Mais tu coupes, hein, tu coupes. Il n'y a pas de vous. Et tu coupes. Hein. Ah oui. Sachez qu'on ne vous veut aucun mal. Vous pouvez interagir avec nous, faire un bruit. On est juste ici pour essayer de dialoguer avec vous. Vous êtes toujours là? Vous voulez toujours nous parler? Touchez le K2. Pouvez-vous taper un coup dans une porte comme ceci? Moins fort si vous ne savez pas. Mais essayez s'il vous plaît. Êtes-vous ici dans la pièce avec nous? T'as vu à droite? Il n'y a que le nord qui fonctionne là. Lequel? Le nord. J'ai pas fait attention, je regarde. Si vous êtes avec nous, déclenchez le cadeau noir s'il vous plaît. Miguel, on dirait. Est-ce que vous vous amusez? Oula, le gris. Oula. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Merci. Est-ce que vous pouvez faire déclencher l'appareil à côté? Il y a encore un moment.
aux jambes. Aux jambes? Ouais. Ah, bah, c'est bizarre. Hein? Quand c'est aux jambes, j'ai des frissons. Ouais. J'ai des fourmis, en fait. Ah, non, moi, j'ai rien. Regarde un peu combien il fait derrière, je te jure, il fait froid. Je l'ai pas, moi. C'est marrant. C'est... Il y a le cas du gris, mais pas le cas de noir. Vous serez capable de déclencher les deux K2 en même temps? 7, 2, 17, 1. Écoutez-nous. 16. 8, 16, 8. 16, 7, 16, 6. 16, 7. 16, 8. 17. 18. Si c'est ouais. Vous qui êtes derrière nous. Et de 16, on est passé à 18. 16 là, derrière toi. Il y a 18 là. Parlez dans nos micros pour nous dire oui ou non. Est-ce que vous êtes derrière Katia? Et parce que je sens un bon froid par derrière. Est-ce que vous pouvez allumer le K2 noir s'il vous plaît? Ça s'est allumé à gauche. Lequel? Le gris. Ça a combien? 16. C'est vous qui êtes derrière nous? Non, prends l'appareil photo. C'est... Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse une photo? Faites allumer le K2 s'il vous plaît. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec nous? Faites déclencher les deux K2 en même temps. Je sais pas, je suis pressé. Est-ce vous qui me faites cette pression-là? Oui. Sur mes épaules. Ouais, courant d'air. Derrière moi. Moi j'ai sorti un truc aussi à ma main. Moi j'ai quelque chose depuis tout à l'heure, j'ai bougé. Mais moi c'est bizarre, les courants d'air je le sens qu'à mes mains. Main gauche et main droite. 17. 17. Non, mais c'est les jambes. C'est dans le dos, je sens les jambes. Regarde un peu ma main. Pour voir. 25. Ouais, ça c'est normal. Ça c'est normal. Ouais. Essayez de me toucher, s'il vous plaît. 15, monsieur. Non, entrez, vous avez 18, 17. Essayez de me toucher. Vas-y, fais des photos. C'est son appareil. Allez à côté de Thibaut et on va essayer de vous prendre en photo. Mettez-vous à côté de moi. Faites réagir les K2 si vous êtes ici avec nous.
Allez-y maintenant. Pour la spirit box, on la fera ici. Est-ce que vous voulez toujours parler avec nous? Si oui, touchez le boîtier gris ou noir. C'est toi, non? C'est toi le bruit? Courant d'air, tout ça. Non, mais il y avait un bruit. Un bruit, ouais. C'est toi, toi? C'est moi. Ah oui. Il touchait le bois. Vous voulez plus... Le noir. Ah. Vous voulez continuer à parler avec nous? Si oui, touchez le K2. Vous voulez toujours qu'on reste dans la pièce? Voulez-vous qu'on aille ailleurs? Dites-le nous si on vous dérange. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Ou alors vous préférez qu'on reste? Partie, je pense. Est-ce que vous voulez toujours jouer avec nous? Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Déclencher un des deux K2. Les deux boîtiers. Si vous voulez qu'on change de pièce. Vous pouvez aussi passer devant la petite boîte qui est à côté de la porte. Sachez qu'on n'est pas ici juste pour jouer avec vous. On est ici juste pour essayer de rentrer en dialogue. Et essayer de comprendre de ce qui vous est arrivé. Est-ce que ça vous dérange? On aille à l'étage, hein? Oui. Voulez-vous qu'on aille à l'étage? Si vous voulez qu'on aille dans la pièce où il y a le camion, touchez le gris. Si vous voulez qu'on aille dans la pièce de l'autre côté, touchez le noir. Ça clignotait au noir. Ah ouais? Ouais. J'ai pas vu. Bon, bah on va aller dans la pièce de côté alors. Est-ce que vous préférez qu'on reste ici? Ah. Vous voulez bien parler avec nous? Vous voulez bien communiquer avec nous avec le cadeau? Vous préférez vous amuser avec le cadeau?
Remontrez-nous votre présence, s'il vous plaît. Faites allumer les lumières jusqu'au rouge. Vous êtes capable. Tout à l'heure, vous l'avez fait. Vous nous l'avez bien montré tout à l'heure, alors une fois en plus. Vous faites un bruit dans la maison. Vous voulez qu'on reste ici ou qu'on change de pièce? Si vous voulez qu'on reste ici, faites clignoter le cadeau. Si vous voulez qu'on change de pièce, faites clignoter le cadeau. On dirait en fait, il vient avec nous, il s'en va, il revient, il s'en va. Ils sont deux pourtant, je crois. Il y a une femme et un homme, c'est ça? Ouais. Mais l'homme, il ne nous a pas parlé. Je sais pas, je me sens attiré par la cuisine. Vous voulez bien communiquer avec nous cette fois-ci? C'est une nouvelle caméra, je ne sais pas comment on fait. Ça fait longtemps qu'elle est abandonnée, cette maison. Faites clignoter le point, oui. Vous êtes le propriétaire? C'est bon, j'ai réussi. C'est dans cette pièce-ci que vous vouliez qu'on vienne? Faites clignoter si c'était ici. T'as pas entendu un bout? C'est dans une autre pièce? Vous voulez qu'on aille? Si oui, touchez le boîtier noir. Est-ce que vous voulez qu'on communique autrement? Avec un autre appareil? L'autre jour, le nounours vous a plu, mais le camion, c'est exactement le même que le nounours. Regardez, il n'avait qu'à faire ça. Toucher l'antenne. Est-ce que c'est la lumière qui vous dérange? Non. Mais non, je sais pas. Ah ouais, on m'a touché. On t'a touché? Ça a fait ça. Non, je t'ai pas touché. C'est pour ça que je demande? Non. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché? Est-ce que vous êtes ici avec nous?
Si t'as touché, c'est Kilo, mais qui veut pas parler. Ouais. Qui veut pas communiquer. Pour la spirit box, c'est tout. Ouais. Bonsoir, êtes-vous ici, dans la pièce avec nous? Mon nom est Thibaut. Le vôtre, c'est quoi? Ouais, t'as vu, c'est décanté. Ouais, j'ai entendu un film qui se décanté. J'ai tout été en même temps. Comment vous vous appelez? Fabienne. C'est ça. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir. Ah, bonsoir. Est-ce que c'est vous qui faites clignoter le K2? Ou alors c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous étiez la propriétaire de cette invitation? Oui, il y a... Ouais, j'entends bien. Petit. Est-ce que c'est vous qui m'avez touché? Est-ce que c'est vous qui m'avez touché aussi? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous amuser? Vous voulez nous faire peur? Ça sent très bien. Ouais, c'est quoi, Robert? C'est toi? Ouais. Vous voulez nous faire passer un message? Oui, je pense. Oui. Oui. Quel est votre message? Vous pouvez répéter? Avez-vous besoin d'aide? Wow. Ouais, ça y est. Maman. Ouais. Oui. T'as quelque chose à dire? Pourquoi vous dites maman? Parce que... Essayez d'être plus clair pour qu'on arrive à comprendre. Êtes-vous bien là où vous êtes? Trop loin. Trop loin. Ouais. Trop loin de qui? Nadine. Essayez de bien dire votre prénom, s'il vous plaît. Et d'être bien clair. D'être bien clair.
C'est vous qui êtes à côté de nous? C'est toujours Fabienne qui est ici? Fabienne? C'est vous? Oui. Un peu. Est-ce qu'il y a un enfant avec nous? Un enfant? Oh, oula. Oh! Moi, j'ai pas compris. Ouais, je veux mieux pas parler d'enfant, je pense. Moi, j'ai compris, ouais. Mais la dernière. Ouais, je veux pas parler d'enfant. Dites-nous votre prénom pour qu'on comprend bien. Daniel, non? Arrête. Non, Daniel. Ouais, Daniel. T'as entendu arrête, toi? Arrête. Hein, ou arrête, c'est possible. Ou arrête. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? K2 salut. Ouais, ouais. Il s'allume à ce moment-là. Ouais, K2. Mais c'est mieux depuis tout à l'heure. Répétez un peu, K2. Répétez un peu K2 si c'est vous qui me faites clignoter. Pouvez-vous nous dire combien vous êtes? Pourquoi êtes-vous aussi agressif dans votre voix? Êtes-vous en colère qu'on est ici? Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Arrêtez le cadeau. Est-ce que vous voulez parler à quelqu'un en particulier? Dites son prénom, celui que vous voulez parler. Ben,
Thibaut, ouais. Thibaut, ouais, j'ai entendu Thibaut. Vous voulez parler à moi ? Je vous écoute. J'ai un message à me faire passer. Vous avez une jolie voix en tout cas. Vous êtes la propriétaire ? Vous avez quel âge, Fabienne ? À chaque fois qu'on parle d'âge, c'est que c'est que oh, oh. Vous êtes jeune ? Vous préférez qu'on vous fasse une autre question ? Oui ? D'accord. Qui était ? Pouvez-vous répéter le prénom de l'un d'entre nous, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est vous, Fabienne, qui faites déclencher le cadeau ? Oui, c'est vous ? Oui. Oui. C'est ça. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause, ça vous va ? Non. Non, t'as pas dit non ? Non, ils veulent pas. Non, il a dit non. Vous voulez pas qu'on fasse une pause ? On revient après, vous êtes d'accord ? Est-ce qu'on peut faire une pause ? On passe quoi, hein ? On revient. On revient après. D'accord ? D'accord. Allez, allez, allez. À tout de suite. À tout de suite. Alors, voilà les amis, je vais essayer pour la deuxième partie. Ça marche à batterie. A-t-il une présence ici avec nous ? Vous êtes toujours avec nous ? Allez toucher la petite boîte noire, si vous êtes toujours avec nous. Elle est là-haut. Une batterie.
Je vais fermer exprès la porte. Si vous avez assez de force, essayez de l'ouvrir, s'il vous plaît. Tu l'as pas vu? Non. Je te promets, elle a bougé. Si, elle a bougé. Si, moi aussi, je l'ai vu bouger. Mais c'est en même temps que la voiture est passée. Voilà. Ouais. C'est une batterie. Fabien, vous êtes avec nous? Êtes-vous dans notre pièce? Dans la chambre d'à côté? Vous pouvez toucher. Allez-y. Moi. Est-ce que vous êtes capable de me pousser? Médecin. Médecin? Ouais. Pourquoi vous avez besoin d'un médecin? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Faites bien. Ah, ce serait bien gentil de votre part. Est-ce que vous vous sentez seul? Vous êtes bien là où vous êtes? Êtes-vous seul ici? Vous parlez? Est-ce que vous pourriez répéter l'un de nos prénoms?
de photo. Photo. Hein? Photo. Vous voulez qu'on je fasse une photo? Vous voulez faire une photo? On n'a pas très bien compris. Est-ce que vous voulez faire une photo? Oui. 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 Vous voulez faire une photo avec qui? Avec lui. Je vais pas faire référence, mon bébé. Dites un prénom. Je ne sais pas, je vous avez le choix aujourd'hui. Pouvez-vous dire le prénom de la dame qui se trouve juste là à côté? Non, la dame qui est à côté de moi. Je pense qu'il veut faire une photo avec moi. Comment s'appelle-t-elle. Ils savent pas, je pense. Je vais pas l'antenne. Pouvez-vous dire mon surnom? Merci. Le mien, c'est quoi? Le prénom. C'est le comment je m'appelle? Et voilà, moi je suis trompé. Ça dépend. Et moi, comment je m'appelle? D'accord. Essayez de penser, enfin de dire ce que je suis en train de penser en ce moment. Dis ce que je suis en train de penser. Et tout à l'heure, vous voulez faire une photo. Vous voulez la faire avec qui?
Avec moi? Ouais. Ah, vas-y, prends l'appareil. Je vais vous inviter à venir à côté de moi. Allez-y, venez à côté de moi. Est-ce que vous êtes à côté de Thibaut? Elle est pas à côté de moi. Quand vous y êtes, dites ok. Ok. Je fais la photo. Allez, 1, 2, 3. Fais-en une. Elle va en refaire. On va en refaire une. 1, 2, 3. Comme je vois pas très clair. Bon. D'accord. Vas-y. Est-ce que vous pouvez me toucher? De l'autre côté. On revient tout au début. Vous avez fini. Est-ce que moi j'ai un surnom? Est-ce que vous le connaissez? Vous le connaissez? C'est quoi votre nom? On teste un truc. Tu mets un thermomètre infrarouge, tu leur dis d'aller vers le point rouge. Vous êtes combien ici? Qui c'est qui ne doit pas bouger? Qui doit? Combien êtes-vous ici? Parlez tout clairement, s'il vous plaît. On ne comprend pas bien. Vous êtes combien? Quatre. Quatre.
Vous êtes quatre? Vous pouvez donner vos noms, enfin vos prénoms? Pascal. Pascal? Est-ce qu'il y a un Pascal ici? Fabien est-elle encore là? Fabienne, vous pouvez nous parler? Vous pouvez nous parler? Bob. 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 Touchez le cadeau, Fabienne, si vous êtes là. Quel âge avez-vous? Vous êtes 25? Vous avez 25 ans? Êtes-vous ici? Ici en bas avec nous. Ça nous aurait pas piégé avant. Pourquoi vous voulez qu'on remonte en haut? Que quoi? Soyez plus précis, s'il vous plaît.
Est-ce que vous jouez avec nous? Il s'allume. Ouais. Ça veut dire oui? Parlez dans l'esprit de boss. Le cadeau, il... Pourquoi vous parlez au cadeau et pas à la Spirit Box? Vous préférez nous parler au cadeau? Que vous êtes derrière moi. Il parle qu'au cadeau maintenant. Répondez à la Spirit Box. Est-ce que vous êtes derrière moi? Garde le cadeau. Vous aimez bien le cadeau? On va couper la communication. Ah, il était monté dans le rouge. Il y a un courant d'air. Maintenant. Maintenant, quoi? Est-ce que vous pouvez me toucher? Vous nous aimez bien? Viens à côté de nous. Est-ce qu'on peut vous aider? Ouais. Comment voulez-vous qu'on vous aide? Soit-il qu'il s'en aille tout le monde? Faites déclencher la petite boîte grise. Si vous êtes capable. Maintenant. C'est la noire qui s'allume. Vous voulez que ce soit qui parte? Que ce soit nous? Une personne en particulier. Ouais, c'est nous. Parfait. Pourquoi voulez-vous qu'on parte? On vous dérange? Il est chiant. Hein? Bon, on va arrêter là. On va vous laisser tranquille alors. On ne peut pas vous aider. Vous voulez rester dans cette maison ou vous voulez vous en aller? Oui. Vous voulez rester dans cette maison?
Par maison. Oui, par maison. C'est la vie, c'est ma maison. Et vous voulez rester? Vous êtes attaché à votre maison ? Attends. Vous voulez nous dire quelque chose? J'avais un message à faire passer. Non, vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Détruit, si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, on vous laissera tranquille. Et on partira. Dites, partez. Merci. D'accord. D'accord, on va vous laisser tranquille. Merci d'avoir communiqué avec nous. Merci. Je vous remercie. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonsoir. Bon, ben voilà que c'est le terme de l'enquête, les amis. On a eu pas mal de résultats quand même. On verra ça. Et on vous dit à très bientôt.